L'arbre qui parle est le vieux hibou sage. Au cœur d'une ancienne forêt africaine se dressait un majestueux arbre parlant nommé Nioka. Cet arbre était l'être le plus ancien et le plus sage de la forêt, capable de parler avec les animaux. Dans les branches de Nioka vivait un vieux hibou sage nommé Kiburi, connu pour ses connaissances approfondies et sa sagesse. Une année, une terrible sécheresse frappe la forêt. La rivière qui nourrissait les arbres et les plantes s'est asséchée et les animaux ont eu du mal à trouver de l'eau. La forêt verte et vibrante a commencé à se flétrir et les animaux cherchaient désespérément une solution. Les animaux de la forêt se sont rassemblés autour de Nioka, cherchant des conseils pour survivre à la sécheresse. Ils étaient inquiets et effrayés, ne sachant pas comment trouver de l'eau ou sauver leur maison. Nioka et Kiburi ont écouté attentivement leurs préoccupations. Après avoir écouté les animaux, Nioka parla d'une voix grave et résonnante. « Il y a une source souterraine cachée sous la forêt », a-t-il révélé. « Si nous parvenons à creuser jusqu'à cet endroit, nous pourrons faire remonter l'eau à la surface et sauver notre maison. Mais nous devons travailler ensemble. » Kiburi, avec son esprit vif et ses capacités d'organisation, a aidé les animaux à former des équipes. Les animaux forts, comme les éléphants et les buffles, creusaient. Les petits animaux, comme les suricates et les écureuils, débarrassaient la saleté. Les oiseaux, dirigés par Kiburi, recherchaient tout danger et surveillaient l'alentour. Lorsque les animaux ont commencé à creuser, ils ont été confrontés à de nombreux défis. Le sol était dur et sec, ce qui rendait le creusement difficile. Ils rencontrèrent des racines et des rochers qui ralentirent leur progression. Malgré ces obstacles, les animaux ont travaillé sans relâche, encouragés par les sages paroles de Nioka et Kiburi. Après des jours de dur labeur, les animaux ont finalement atteint l'eau. Une source fraîche et claire jaillit du sol, ramenant la vie à la forêt. Les animaux ont applaudi et célébré, sachant que leur travail acharné avait porté ses fruits. Avec l'eau de la source, les animaux ont commencé à redonner vie à la forêt. Ils ont creusé des canaux pour diriger l'eau vers les arbres et les plantes, et bientôt la forêt a recommencé à reverdir. La rivière coula à nouveau et la forêt prospéra. Kiburi et Nioka ont rassemblé les animaux et ont partagé une leçon importante. Lorsque nous travaillons ensemble et utilisons notre sagesse et notre force, nous pouvons surmonter n'importe quel défi. L'unité et la coopération sont les clés de notre survie et de notre prospérité. La forêt prospéra à nouveau grâce aux efforts combinés de tous les animaux et à la sagesse de Nioka et Kiburi. Les animaux vivaient en harmonie, sachant qu'en travaillant ensemble et en écoutant leurs sages dirigeants, ils pourraient relever n'importe quel défi. La forêt est restée une demeure belle et dynamique pour tous ses habitants, qui chérissaient les leçons apprises de l'arbre parlant et du vieux hibou sage. Merci abonné à ma page.